C'est notre studio Télévision Nationale d'Haïti, Delma 33, pour Prince Haïti. Bonjour Haïti, bonjour, bonsoir le monde. Nous comptons ensemble avec vous. Jeudi 19 juillet, pour nous présenter tout élément d'information. Déjà, nous souhaitons passer un très bon jeudi sur Télévision Nationale d'Haïti. Rapidement, mes grands points, qui a dominé l'actualité? Le président de la République, Jovenel Moïse, continue à accélérer la consultation sur le choix personnalité qui est devenu premier ministre pays pour remplacer Jacques-Guy Lafontaine. Chef l'État, Chita Palé, mercredi 18 juillet, à secteur protestant et puis représentant chambre commerce et industrie. Sénat République là invité pour jeudi 19 juillet, directeur général de la police nationale d'Haïti, Michael Gédéon, pour venir répondre à la question sénateur sur le comportement policier qui a été gagné pendant l'événement des ordres 6, 7 à 8 juillet passé dans la capitale. Président Fédération Nationale Magistrat Haïtien a annoncé coup des comptes déjà approuvé 81 projets pour développement collectivité. Jude Edouard Pierre mandé pour l'agence a transféré ce compte mairie pour qu'à exécuter différents projets. Et puis à l'étranger, président américain Donald Trump retourne sous position côté lui accusé Tokay Wesley Vladimir Poutine comme principal responsable et gérant russe dans la dernière élection américaine. C'est pour ça que nous avons pour le journal aujourd'hui, nous avons pose pas déplacé, nous avons tourné tout à l'heure pour développement information. Merci pour fidélité et attention, nous retournons pour le développement information. Je nous ai dit dans grand titre, président de la République, Jovenel Moïse, rencontré chambre de commerce et industrie d'Haïti dans le cadre de dialogue sur la situation pays. Chef l'État salue bon déroulement chita par des là. Proposition yo faite sous concernant avenir nation pour permettre tout le monde en sorti gagnant. D'après ça, président République là fait qu'on est après rencontre Sila. Président République Jovenel Moïse a rencontré mercredi 18 juillet dans le Palais National, membre Fédération Protestant d'Haïti, dans le cadre ensemble consultation l'a fait avant limiter campé nouveau gouvernement pour chef l'État rencontre ça déporté en pile fouet. N'a quitté pouvoir exécutif là non pour aller connait dans pouvoir législatif là dans parlement haïtien que chita soumis dans Port-au-Prince puisque gagne président chambre député Gary Bodo qui confirme lui-même avec président Sénat République là Joseph Lambert te chita parler avec président République là mardi 17 juillet dans cadre consultation pour choisir un nouveau premier ministre. Député Delma fait connait yo expliquer président profil mon qui t'a doit remplacer ancien premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. Faut que c'est une personnalité qui honnête, crédible, qui compétent et puis qui capable parler à tout le monde dans toute couche dans société. Yo extrait dans déclaration ni dans micro Fedner confident avec Moïse Oubrich. Nous étions allés dans le Palais National, côté nous avons rencontré le président Jovenel Moïse et autour de la nécessité de doter le pays d'un nouveau premier ministre. Donc, dans le cas d'attribution constitutionnelle du président, côté littéré, le président de Chamio, il était écrit formellement. Et nous avons eu la chance pour nous de passer en revue la mission du premier ministre. Le nouveau premier ministre, c'est quelqu'un qui est supposé en mesure pour capable rétablir et confiance dans l'institution publique pour capable rétablir une situation sécuritaire qui est acceptable son monde par rapport avec mission profil qui capable pas de problème à aucun secteur politique aucun parti politique parce que un des plus gros défis président gagné c'est non seulement créer conditions pour monde jeune travail dans pays a prendre des dispositions rapides pour capable et soulager misère peuple là mais c'est également et organiser élection en 2019 et jodi a forger tes bases pour élection depuis jodi a. Donc le nouveau premier ministre c'est quelqu'un qui aura une mission au thème de référence qui est clair mais également par rapport au profil que nous avons essayé et désigner ensemble. En ce qui me concerne, je pense que le nouveau premier ministre doit sortir de la société civile.
le nouveau Premier ministre doit être quelqu'un qui soit en mesure de faire des réformes économiques. Il faut que ce soit un monde qui est capable d'éliminer plus de 9 milliards de gouttes de franchise en série de secteurs dans la vie nationale. Donc, on prend, on sait des gens qui ont franchise. Ce n'est pas des gens qui permettent que franchise ça, qui permettent qu'il y ait plus de travail qui crée dans l'économie. Plus de monde qui baille travail, c'est l'État. Donc, moi, ces nouveaux premiers ministres sont des gens qui techniquement solides, qui ont rentré dans le milieu des affaires là. Pour ces gens qui connaissent le milieu des affaires là bien, il faut que ce soit des gens qui sont capables de parler avec la communauté internationale là. Elle n'est pas obligée de sortir dans la famille politique par nous. Et famille politique, que ce soit le président qui est au pouvoir ou bien l'autre secteur dans le Parlement. Donc, je pense d'abord que ce sont des gens qui pour gain moralité, il faut que ce soit des gens qui sont solides. Donc, nous-mêmes, nous partageons le profil ça avec le président. Donc, le président lui-même a besoin de comprendre ce qui est passé dans le pays par rapport à ce que tu parles. Il fait, il est de plus secteur dans la vie nationale. Là. Donc, le président a continué à faire consultation, il a continué à attendre les gens. Nous prenons rendez-vous, nos trois présidents, nous prenons rendez-vous pour nous continuer à parler. Au moment opportun, nous allons gagner notre parole sous table. À ce moment-là, nous sommes dans le profil, nous sommes dans la mission, nous sommes dans le thème de référence probable. Donc, nous allons rentrer dans nous. Et à ce moment-là, je pense que la presse a performé. Mais pour l'instant, le président a fait consultation avec l'ensemble des secteurs de la vie nationale. Si l'alliance avec le Parlement a permis pendant 17 mois au président de la République de garantir la stabilité politique et la paix dans le pays, je dis à le président supposé faire alliance avec les forces sociales. Dans le même dossier, c'est la député circonscription Marie Goua, DUS de honnête, souhaite nouveau premier ministre, c'est une personnalité honnête, compétent, sérieux, qui connaît l'administration publique là très bien. Député DUS de honnête, encourage le président républicain Jovenel Moïse pour choisir un monde qui a une capacité pour faire consensus dans tout secteur de la population. Toujours dans le micro, Fidel Confident avec Moïse Obitch. Premier ministre qui t'a doué joindre jeudi, qui pour prendre le gouvernement ça avec tout ça qui gagne comme problème dans le monde sociopolitique là, il t'a doué un franc technicien. Lundi, un franc technicien, c'est quelqu'un qui connaît, mais nous besoin pour un ministre qui comprenne la réalité sociopolitique pays, mais un monde qui connaît l'administration publique, là, comment les diriger, principes qui régit l'administration publique, yo, de manière à ce que le Premier ministre soit capable, capable vraiment sembler un bon rassembleur, mais ce n'est pas un rassembleur seulement sur le plan politique, mais c'est quelqu'un qui maîtrise l'administration publique, qui travaille dans l'intérêt collectif. L'intérêt collectif pour une sorte d'amélioration des conditions de vie de la population. Et n'a prêté toujours dans le Parlement haïtien, président Chama, député Angare Bodo, exprimé préoccupation sur sécurité parlementaire. Député Delma dit information les disposer, fait qu'on est à un plan pour bouler local Parlement. Situation ça mettait en pile député dans caisse sautée, ça qui fait yo pas qu'à aller dans Parlement pour aller faire travail yo. Député Boudou annoncé bureau chama député yon pral écrit directeur général la police nationale la Michael Gédéon pour informer la sous situation yon et puis prendre toute disposition pour assurer sécurité bâtiment ak vie tout député yo. Yon extrait dans micro Fedna Confident ak Moïse Oubich. Nous voulons parler d'une situation qui est un peu compliquée dans le contexte politique actuel. Côté la vie en bon nombre de parlementaires et en danger par rapport à des informations crédibles nous gagnons que nous pas obligés bailler dans la presse que nous pral communiquer à directeur général police là même gon plan pour yo bouler parlement dans les prochaines 48 heures. Donc ouais, et depuis hier il y a plusieurs tentatives qui fait là pour nous faire séance débuter ou pas entrer dans la salle séance là parce que au peur pour sécurité, parce que depuis quelques temps, nous avons eu une campagne de dénigrement qui a fait contre le Parlement haïtien, une campagne qui a fait contre certains députés,
Au moment où on a parlé à la Guéon député, la ville en danger, et c'est sous compte la police nationale liée, la CAELI à basse sécurité. Donc nous devons alerter l'opinion publique nationale et internationale, puisque désormais il y a plus de premier ministre ou de chef de CSPN à la primature, mais nous avons rappelé le premier ministre Jacques Guy Lafontaine que lui est encore en charge de l'appliquer à affaires courantes. Et n'a demandé au directeur général de la police pour prendre toute disposition pour protéger la vie des députés, pour protéger la vie élue du peuple. Et nous-mêmes, au niveau bureau, il y a des réflexions qui commencent à faire. Moi-même, proposition pour le faire bureau, puisque nous décidons en conseil. Donc, je ne vais pas dire décision, ça me dit là, son bagage qui a arrêté, parce que je beaucoup consulté l'autre membre bureau. Mais je réfléchis là pour moi, c'est un bataka, même faire mes sessions depuis qu'on y a. Toujours dans ça qui vient pour voir à question sécurité, n'a quitté et n'a dit chambasse là, non pas aller dans grand croix puisque il y a un sénat république là qui invite le directeur général de la police nationale d'Haïti, Michael Gédéon, pour lui capable de venir répondre à question sur événement qui était marqué pays pendant la période 6 pour arriver 8 juillet, particulièrement dans la capitale la Port-au-Prince là, après annonce augmentation prix gaz là sur marché. Que Gwekipote signature président Sénat Joseph Lambert, dans date 17 juillet 2018, la Sénat invité DG PNH là dans une séance audition plénière qui a déroulé jeudi 19 juillet sur comportement institution la police a été gagné pendant dernier événement sa yo. Et après événement sa yo, gagné 64 individus qui gagne accusation pour pillage, destruction bien, que paquet Port-au-Prince mette Oknam Klameda Meyus mette en bas code pour capable répondre à la question la justice. N'a pas rappelé que dans la date mardi 23 août 2016 là, le Sénat République là a ratifié choix Michael Gédéon dans le cadre d'une séance plénière qui a remplacé Godson Aurelius dans place là, gagne un mandat 3 années pour poste. Fédération nationale magistrats haïtiens organise une réunion en assemblée extraordinaire mercredi 18 juillet dans l'idée pour capable fixer position yo sur conjoncture politique actuelle là. Dans le cadre de la rencontre, Sila a finalement présenté une résolution à divers points parmi eux, choix un nouveau chef gouvernement. Secrétaire général de FENAM, Ziki Ribekalin, dit qu'elmont mandé pour gagner un ministère développement local dans la formation prochain gouvernement. En nous suivant extrait, Namiko Sekwapaki et Fresnel Toussaint. La FENAM prend acte de la démission du gouvernement Lafontaine et des consultations en cours pour le choix d'un prochain et de la constitution d'un nouveau gouvernement. La FENAM exige sa participation dans la définition du profil du prochain Premier ministre qui devra absolument avoir une forte sensibilité pour la décentralisation et les collectivités territoriales. La FENAM s'attend à ce que les collectivités territoriales aient une plus grande place dans la déclaration de politique générale du prochain Premier ministre avec un engagement pour l'organisation des élections indirectes. La FENAM souhaite que le prochain gouvernement améliore de manière significative la qualité des rapports du gouvernement avec les collectivités territoriales. La FENAM exige que le prochain gouvernement fasse des collectivités territoriales l'axe central du développement du pays. Elle préconise l'amélioration des procédures visant à l'exécution des projets communaux insérés dans le budget 2017-2018. La FENAM souhaite l'arrêt immédiat de la confusion du rôle entre les parlementaires et les collectivités territoriales. Elle exige l'implication des élus locaux, maires, CASEC, AZEC et délégués de ville dans la mise en œuvre de toute action de développement sur le territoire communal. La FENAM exige l'intégration des collectivités territoriales dans le budget national, la programmation des dépenses y relatives et l'implication des élus locaux dans la gestion du FGDCT.
Toujours dans le même sujet, c'est là, président de la Fédération nationale, magistrat haïtien Jude Edouard Pierre, demande pour pouvoir exécutif la prendre toutes mesures possibles pour élection collectivité organisée dans la date qui prévoit pour ça. Magistrat communal Kafouan Jude Edouard Pierre, expliquez-moi dans magistrat Azek Kazek avec délégué Vilio, pas loin pour arriver dans Boutli. Pendant lui encourager acteurs concernés pour réaliser élection yo, une façon pour pas gagner vide dans la collectivité territoriale yo. Yon l'autre bois président finalement fait connait coup de compte approuvé 81 projets pour développement collectivité yo. Dans ce sens, les mandés pour l'agence a yo transféré rapide sur compte mairie yo qui permet à chaque mairie exécuter projet yo. Toujours dans le micro, Saint-Kouapaki à Fresnel Toussaint. 81 projets que la Cour des comptes a approuvé et ministre planification nous échangé avec avant et conférence là avant et nous t'ai invité amis la pression 81 projets ça yo tout l'argent li dit yo viré sous compte ministre intérieur sous ministère planification avant de démarrage yo bail let yo bail mais jusqu'à présent ministère sectoriel yo poko bail chèque a firmé yo. Donc, nous te dit après rencontre ça, nous allons rencontrer avec le ministre PTCA, le ministre Kayo, et le ministre Rinaldo Brunet, et le ministre Santé publique là pour nous connaître, et pour qu'il ça au fait, chèque ça au Pokobay pour le projet au démarrer. Par contre, ce exercice 17-18 là, le projet au Poko traité, et nous demander une résolution que, comme ça, transférer directement sous compte mairie à travers des conventions cadres qui sont supposées signer entre les mairies et ministère planification, qui c'est le dernier exercice là, bien pour gérer fonds communaux, parce que nous dit clairement pour fonds ça, gérer, transférer sous compte ministère intérieur et ministère collectivité et ministère développement local. N'a pas traîné dans dossier éducation kounia puisque fait examen élève 9e année fondamentale t'a dû fin corriger demain vendredi 20 juillet selon directeur bureau national examen l'état Bunex Renan Michel. Responsable Bunex ta fait connaître majorité texte examen dans le département yo gain subi des corrections. Renan Michel explique que le bureau prend disposition pour publication offerte avant longtemps. Directeur Bunex, Renan Michel, Tenamico, John Herbie Kasséus et Michel Joseph. Il y a plusieurs départements actuellement capables de dire qui finissent avec correction et que tout bord de ça, il y a tout en dedans Bunex et que nous commençons à faire saisir. Et au fur et à mesure que le département a fini, il y a beaucoup Bordeaux pour nous, l'a fait saisir. C'est ainsi que le résultat, examen ça, et bien là-bas, par département. Le département qui vient en avant, qui finit avant, c'est l'INABAI. Donc, nous sommes capables de dire, par exemple, l'Ouest a avancé sérieusement dans la correction. Il y a plusieurs matières qui finissent dans le département de l'Ouest. Mais nous avons espagnol, il y a anglais qui peuvent finir. Mais nous commençons à faire saisir pour le département de l'Ouest. Nous avons le département nord-est. Et nous avons un département sud-est qui a avancé dans la CISIA. Donc, nous avons travaillé sur eux pour que un bien résultat soit sorti sans problème, sans difficulté. Nous avons dit vendredi, toute correction est censée finir. Maintenant, nous allons vérifier si par une troisième correction. Nous allons une troisième correction encore. Parce que lorsqu'on fait saisir ça, la machine va comparer notre, toute note qui est supérieure à 26 points, différence supérieure à 26 points, nous allons obliger de retirer ça pour faire une troisième correction. Toujours dans le dossier éducation, ministère éducation nationale et formation professionnelle publie résultat examen baccalauréat pour année académique 2017-2018 là pour département SID accent. D'après bureau national examen d'état Bunex, département SID a gagné un taux réussite 65,10%. Pour cent nouveaux candidats, le taux réussite là c'est 54,42%. Résultat, le département yo ta de disponible dans le jour qui vient. D'après ça, il fait connaître.
Nous parlons dans le pays États-Unis, là, puisque après conférence pour la presse, l'été baille côte à côte avec Vladimir Poutine dans la ville Helsinki, qui te fait gros parler dans le pays États-Unis. Donald Trump retourne sous positionner sur ça qui est pour avec ingérence russe dans la dernière élection américaine. Le président américain a accusé Tokay Russie, Vladimir Poutine, comme principal responsable ingérence pays la Russie dans la dernière élection américaine. Reportage Ounos. Nouveau pas en arrière de Donald Trump par rapport à ses déclarations sur l'ingérence russe dans la campagne américaine. Le président américain, après avoir successivement écarté la possibilité d'une telle ingérence, puis l'avoir reconnue, tient désormais Vladimir Poutine comme personnellement responsable. La conférence de presse des deux chefs d'État à Helsinki a provoqué un tollé jusque dans les rangs de Donald Trump. Vous n'avez pas condamné Vladimir Poutine spécifiquement. Le feriez-vous maintenant ? Eh bien oui, je le ferai. Je le tiens pour responsable car il est en charge du pays. De même que je me tiens pour responsable de ce qui se passe dans mon pays. Donc oui, certainement, en tant que dirigeant d'un pays, il faudrait le désigner comme responsable. Et je lui ai fait savoir que nous ne pouvions pas tolérer cela. La prestation de Donald Trump face à Vladimir Poutine a donné à nouveau du grain à moudre aux anti-Trump. La presse a rallié le mouvement, également dénonçant un comportement honteux ou une victoire diplomatique offerte à Poutine. Leur tête-à-tête à huis clos fait aussi l'objet de beaucoup d'interrogations désormais. C'est sous dernière information, ça n'a mette yon bouton dans le journal là, avant que nous allions permettre que nous rappelions un grand point qui domine l'actualité. Président de la République, là, Jovenel Moïse, continue à série consultation sur choix personnalité qui a devenu premier ministre pays pour remplacer Dr. Jacques-Guy Lafontaine. Chef l'État Chita Palé, mercredi 18 juillet, à secteur protestant et puis représentant Maman Chambre Commerce et Industrie d'Haïti. Sénat République a invité pour jeudi 19 juillet, directeur général de la police nationale d'Haïti, Michel-Ange Gédéon, pour venir répondre à la question sénatoire sur le comportement policier qui a été gagné pendant l'événement des ordres 6, 7 et 8 juillet passé dans la capitale Port-au-Prince d'Haïti. Président Fédération Nationale Magistrat Haïtien yo annoncé coup de compte déjà approuvé 81 projets pour développement collectivité yo. Jules Edouard Pierre mandé pour l'agence yo transférer ce compte mairie pour ka exécuter projet yo pour compte collectivité territoriale yo. Et dans l'actualité internationale, le président américain retourne sous position de gagner par rapport à la question d'ingérence pays là où c'est dans la dernière élection. Le président américain Donald Trump a accusé Tokay Russie, Vladimir Poutine, comme principal responsable d'ingérence pays là où c'est dans la dernière élection américaine. C'est grand point, ça va quelque chose. Nous t'épotez pour dans le journal jeudi. Nous vraiment t'es content ensemble avec vous. Vous êtes capable d'informer vous. Directez seulement pour capable souhaiter vous. Passez un très bon jeudi sur Télévision Nationale d'Haïti. N'a pas de rendez-vous avec moi-même demain matin pour l'autre édition nouvelle. Là, moi, souhaitez nous passer une bonne journée. Bye bye tout le monde.